Alors, bienvenue à la partie Q1 contre Q2 du championnat provincial Tanker Hardline. Véronique Bouchard, en compagnie de Jean-François Charest. Salut, Véronique. Alors, désolé, nous sommes un peu en retard sur notre horaire de web diffusion. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques. Donc, les deux équipes présentement sur ce match sont Félix Asselin étant Q1. Qualifié depuis mercredi soir. Il y a déjà un moment. Puis, et Félix Asselin. Ben, pas Félix Asselin, mais Vincent Roberge qui s'est qualifié, lui, hier après-midi. Via la section B. Alors, le gagnant du A étant le Q1, gagnant du B étant Q2. Alors, ce qui permet au gagnant de ce match d'accéder directement à la finale. Donc, une partie importante ici pour les deux équipes. Oui, et le perdant devra affronter le gagnant du match qui se déroule sur l'autre glace, Q3 contre Q4, équipe Desjardins contre le Duc. Donc, avec toutes les ennuis techniques, je n'ai pas suivi le début de match. On va essayer de voir la situation des pierres actuelles. Je crois que c'est rouge qui marque le point. Non, c'est jaune qui marque le point pour l'instant. Donc, Asselin. Donc, l'équipe de Félix Asselin marque le point présentement. Donc, Vincent Roberge qui va tenter de bloquer l'accès de l'autre côté pour limiter l'équipe de Félix Asselin à seulement un point au premier bout. Les deux équipes qui s'étaient affrontées un peu plus tôt cette semaine. Félix Asselin qui avait le dessus sur Vincent Roberge. Oui, il avait eu quand même une, je dirais pas une victoire facile, mais qu'il avait emporté avec une bonne avance sur ses opposants alors qu'il s'était affronté dans la finale pour se qualifier via la section A. Alors, nous allons passer à la présentation des équipes. Alors, équipe Vincent Roberge. De la région de Québec, Julien Tremblay. Jesse Mullen du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensuite, Jean-Michel Arsenault, troisième, et capitaine Vincent Roberge, tous deux aussi de la région de Québec. Alors, l'équipe Asselin, quant à elle, Jean-François Trépanier, Émile Asselin, Martin Crête et Félix Asselin. Malheureusement, je ne suis pas certaine de leur endroit de provenance, donc je vais m'en tenir à ceci. Alors, évidemment, des joueurs qui n'ont plus vraiment besoin de présentation ici au Québec. Martin Crête qui a plusieurs brailleurs derrière la cravate, comme troisième avec Jean-Michel Ménard. Et une fois comme capitaine, si je ne me trompe pas aussi, Jean-François. Excellente question. Alors, nous sommes au dernier lancé. Je crois que ce sera y a-t-il une possibilité de deux points pour équiper? Je n'en vois pas. Je ne sais pas si on va tenter le placement sur le côté du bouton pour deux. C'est définitivement ce qu'on tente. On doit s'arrêter sur la ligne de T. Ah, c'était très, très proche. Malheureusement, on pourrait dire 3-4 pouces.
trop fort. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre sur ce lancer. Donc, Félix Astin qui marque le premier point à ce match de demi-finale masculine. De retour dans ce match Q1-Q2 du Tankard Hardline. Alors, Félix Asselin qui a placé un garde de centre. Oui, on veut déjà passer à l'offensive du côté, je te dirais, des deux équipes. On ne veut pas laisser le match serrer très longtemps. Félix, qui a eu une bonne semaine de curling, Félix et son équipe ont été quasi parfaits toute la semaine. Vincent, l'équipe de Vincent devra profiter des quelques rares erreurs qu'ils auront pour tenter de marquer plus d'un point. Donc Vincent qui a effectué le placement sur le bouton. L'équipe de Félix va suivre sur un placement gelé. Alors, c'est sûr que pour équipe Roberge, la clé du succès du Shane Auto sera d'avoir un gros début de match. Il faut vraiment qu'il commence fort. Oui, il faut demeurer dans le match au moins jusqu'au cinquième bout. Et ensuite, pour Félix Asselin, bien, ce sera de continuer sur leur lancée. Exact. On continue à faire les choses qui fonctionnent bien. Nous avons des conditions de glace qui sont idéales, avec une belle vitesse de glisse et une belle courbure. Est-ce que tu crois, Jean-François, que la journée de pause d'hier des qualifiés Q1 peut être au désavantage d'avoir eu une longue pause par rapport aux opposants qui, eux, ont joué? Ça peut arriver, en effet. On va voir si ça a eu un impact. Je te dirais qu'en général, avec le niveau d'expérience des joueurs qui sont présents sur la glace, ça ne devrait pas avoir d'effet. Mais on ne sait jamais. Donc, lancé ici... semble large. Des milles semblent larges. On demande le balayage pour faire courber la pierre. Ça revient tranquillement. Et quand même aller chercher un bon morceau de pierre avec le balayage directionnel. On se retrouve rapidement avec plusieurs pierres au centre de la maison. Alors ici, un bon placement de Jesse pourrait mettre équipe Asselin dans le trouble un peu. En effet. Alors Jesse qui est reconnu pour sa puissance. Mais devra utiliser sa finesse sur ce coup. Oui. C'est bien réussi. Pierre parfaitement appuyé en plein centre de la maison.
Situation compliquée ici en ce deuxième bout pour le pour Félix. Alors ici, équipe Robert, on va quand même placer pour un bout multiple. On va tenter ici la sortie montée, question de défaire les angles, ouvrir le jeu un peu parce que présentement les pierres ne sont pas à l'avantage de l'équipe de Félix. Une sortie en plein centre ici pourrait quand même sortir deux rouges. On a seulement sorti une rouge, mais c'est pas. C'est mieux. La situation est meilleure qu'elle l'était tout à l'heure. Mais il reste encore du travail à faire ici pour l'équipe d'Asselin. Mais une situation avantageuse pour l'équipe de Vincent Roberge pour marquer deux points dans cette deuxième manche. Ce qui serait très important à prendre l'avance tôt dans le match pour eux. Donc, on demande ici de une petite sortie, rouler vers l'intérieur. Pierre qui ne semble pas courber suffisamment. Malheureusement, ici, frappé sur le nez. Ça va offrir effectivement ici une sortie de Martin Crête pour sortir les pierres du milieu. La jaune qui va demeurer au centre. Mise à jour du match Q3-Q4 au premier bout, c'est une manche nulle, 0-0. Donc, c'est l'équipe de Leduc qui conserve le marteau dans la deuxième manche. Belle pierre exécutée ici de Martin Crête. Ouais, qui enlève une des deux pierres rouges. On va retenter effectivement le placement gelé sur le coin de la jaune qui se trouve dans le quatre-pieds. Et ainsi protéger la rouge qui marque le point. Et offrir une possibilité d'un deuxième point sur des coups éventuels. On est patient sur le balayage. Que la pierre est forte un peu. Pierre qui est trop forte. Alors. Ici, on donne la double sortie sur le nez. Alors, une pierre. C'est ce qui vient d'être appelé ici. Une pierre de routine. En effet. Donc, le double sorti sur le nez et soudainement, le bout qui était à l'avantage de Vincent Roberge un peu plus tôt a complètement tourné. Alors, double sortie réussie. Belle pierre ici de Martin Crête. Oui. Donc, deux points qui seront difficiles à prendre maintenant avec le... Alors, soudainement, l'équipe Roberge a du travail à faire pour... Est-ce qu'ici, on va tenter... On semble regarder à ouvrir le devant de la maison pour se laisser un accès facile pour un point à la fin de la manche. Sortie en puissance. Ouf, Pierre qui demeure dans les cercles. Par contre, la pierre marquante est ouverte, donc elle est plus accessible, mais ouais, c'est mais quand là, même mon tour à l'autre équipe à jouer. Il va se rajouter une pierre jaune dans les cercles sous peu. Pas un bon résultat ici de Jean-Michel. Alors, on pourrait dire un entre-deux, curl un peu plus, curl un peu moins. Exactement. On est près de la double sortie, mais... Voilà.
On n'a pas frappé au bon endroit. Donc ici, c'est sûr que pour, du côté de Félix, on va tenter de mettre beaucoup de pression. Donc on a l'opportunité probablement de positionner une pierre, soit sur le bouton ou soit de un placement monté de la jambe qui se trouve près de la ligne médiane. Tu as dormi des beaux mots aujourd'hui. C'est fin, c'est passé, tu checkes. Alors, pour nos web spectateurs, j'avais préparé une liste de mots pour Jean-François. Non, c'est une blague. Par contre, pour les web spectateurs, si vous avez des commentaires, des questions, nous les voyons en direct et nous pouvons répondre à vos questions au fur et à mesure qu'elles apparaîtront. Alors, est-ce que tu as vu la décision de l'équipe Asselin? Pas tout à fait, mais à voir la position du ballet présentement, je crois qu'on va y aller d'un placement monté. Alors, promouvoir la pierre dans le fond du cercle de quatre pieds et rester devant? Exact. On va vouloir demeurer devant la ligne de T quand même. Et là, ce sera vraiment difficile pour l'équipe Roberge d'aller chercher son point. Pierre qui est bien réussi. Je ne sais pas si on a accès. On a évidemment accès à une double sortie. Je ne sais pas si on a accès à la double sortie avec la pierre qui se trouve présentement sur le bouton. Ça semble mince comme double sortie. Mais à tout le monde, on a la double sortie des deux pierres qui sont dans le 8 pieds. Demeurer devant. Je crois que c'est ce qu'on va essayer. Alors, se faire de la place pour ensuite pouvoir marquer son point sur la prochaine pierre. Oui, et en même temps, on a presque une opportunité. Si on demeure devant la jambe, ce sera un peu plus difficile pour Félix de la sortir par la suite. Peut-être on aura accès à une sortie montée pour deux sur la dernière pierre. Alors, pierre qui est restée gelée à angle. C'est une belle pierre, une belle double sortie. On peut quand même ici, du côté de Félix Asselin, sortir cette pierre rouge et rouler vers le centre. Ça va compliquer le travail pour Vincent Robert sur sa dernière pierre. Définitivement. Pour marquer le point. Pierre rouge est complètement ouverte. Ne devrait pas être compliqué à sortir des cercles. Ce qu'on va tenter ici, c'est vraiment d'y aller avec un poids. Ah non, je crois qu'on va tenter avec plus de puissance, juste. On va peut-être simplement tenter de la sortie roulée vers le centre. Je ne sais pas si cette sortie roulée va toucher à la jambe qui est sur le bouton au passage. Ça dépend vraiment de l'endroit où il frappe. Alors, s'il frappe vraiment mince à l'intérieur, il pourrait ne pas y toucher. Il voit qu'il y a un poids contrôlé ici. Donc, on tente vraiment de conserver les pierres jaunes en jeu. Les deux pierres jaunes vont demeurer en jeu.
bien exécuté. On a un peu trop roulé, je crois. Oui, je crois qu'en frappant la pierre jaune sur le nez, peut-être que l'équipe Roberge pourra aller chercher son point. J'avoue que mon angle de vue ici n'est pas... Ça semble serré, effectivement. Il y a une discussion, donc ce n'est pas certain que si... Ah non, peut-être pas. Quand si on est sur le nez de Seth Jones, ce n'est pas certain qu'il va marquer le point. Alors peut-être un petit roule vers l'extérieur pour rentrer un peu plus dans le cercle de quatre pieds serait l'idéal. En effet, il devra rouler vers le centre du côté de l'autre jambe. Donc, pierre importante ici. Alors, on y va d'un poids de bloc de départ. On va frapper près du nez maintenant. C'est là où on va voir quelle pierre marque. On regarde attentivement les deux vice-capitaines. Je crois qu'on va y aller d'un mesurage. Vu l'importance du résultat de la partie, j'opterais pour la mesure. Tout à fait. Chaque point est important. De l'autre côté, sur le match Q3-Q4, donc Robert Desjardins contre le Duc. Alexandre le Duc. De son prénom. Alexandre le Duc. Il y a... Je vois ici un point au tableau, donc je n'ai pas vu la dernière pierre, mais c'est 1-0 le Duc après deux manches. Debout. Alors, nous allons aller à la pause et nous vous revenons avec le résultat du mesurage. Nous sommes de retour. Alors, après mesurage, c'était la pierre jaune d'équipe Asselin. Non, pierre rouge. Oh, pardon, c'était la pierre rouge. Ils avaient laissé la pierre jaune en plein centre, mais ils ont affiché un rouge au tableau. On s'est fait avoir. Donc, Vincent Roberge qui réussit son coup en finesse pour marquer le point. Pierre super important dans ce début de match. Question de rester près de l'équipe de Félix Asselin. Alors, pointage égal 1-1 après deux manches. Donc, début de manche qui ressemble à celui de tout à l'heure. On a démarré avec un garde-centre du côté de Roberge. Et on va suivre ici avec un placement derrière dans le quatre pieds. Placement qui semble bien réussi. De la part de Trépanier. Très bien fait. Alors, les débuts de bout se suivent et se ressemblent. Garde de centre et puis placement parfait aux quatre pieds. Quand on a deux équipes qui jouent très bien, on finit par revoir les chemins de jeu qui reviennent. Mm.
Alors ici, Julien qui essaie le placement gelé, qui semble un peu court. Alors... On balaye vigoureusement. Pierre qui va quand même se rendre dans les cercles. Par contre, avec la courbure, ça peut servir de garde à l'autre équipe. Tout à fait. On regarde ici à effectuer un placement dans le côté de la maison. Donc, on marque déjà le point au centre, bien protégé par deux gardes. Donc, on va placer une deuxième pierre qui marque dans le côté de la maison. Ça doit se rendre à tout le moins sur la ligne de T. Idéalement, dans le fond du cercle de 8 pieds. Très bien fait. Je peux dire la même chose en même temps. Donc, on va dire ça souvent cet après-midi. Alors, j'imagine, Jean-François, on l'a vu plus loin un peu pour éviter le frapper, rouler dans le cercle du 4 pieds derrière la nôtre. Là. Donc, si la pierre jaune était demeurée devant la ligne de T, on aurait permis la sortie roulée vers le centre, sur le bouton. Donc, Pierre qui est bien positionné. Donc, on va retenter ici le placement gelé, mais de l'autre côté, sur l'effet extérieur. Pierre qui semble courber rapidement. On est un peu court, encore une fois. Quand même. Les brasseurs avaient quand même mentionné que le poids semblait bon. Alors, Pierre, qui est à l'avantage de l'équipe Asselin présentement. Tout à fait. Situation très avantageuse pour l'équipe de Félix Asselin. On a trois gardes devant et les angles sur les gardes devant ne permettent pas d'aller chercher la pierre jaune qui marque le point dans le quatre pieds. Donc, on regarde encore à ajouter une pierre, une nouvelle pierre dans le côté de la maison, le troisième. Pierre qui... Situation qui est vraiment avantageuse pour l'équipe de Félix Asselin. Vincent Roberge devra tenter avec son équipe de faire le ménage devant la maison pour accéder à la pierre qui marque. N'est-ce pas dangereux de rajouter une pierre du même côté de... passer l'expression, mais de vendre une double sortie? Oui, mais en même temps, c'est une double sortie qui ne permettra pas à Vincent Roberge de marquer le point. Donc, ce sont des pierres ouvertes, facilement accessibles pour l'équipe de Félix par la suite. Donc, on retente pour la troisième fois le placement gelé sur la pierre qui marque. On se doit de réussir ici parce qu'on commence à avoir beaucoup de pierres jaunes qui marquent les points présentement. Donc, une pierre importante ici. Effectivement, la ratio jaune-rouge dans la maison n'est pas très intéressant pour les rouges. Pierre qui semble très bonne cette fois-ci. Excellent placement très, très de Jesse Mollen ici. Viens sauver le bout. Pierre qui risque de faire une grosse différence ici. Ça, oui, définitivement. On regarde même du côté de Félix Asselin à effectuer le ménage devant la maison. Question de peut-être ramener justement les deux pierres jaunes du côté droit en jeu. Faire attention ici de ne pas envoyer les rouges sur les jaunes qui sont à droite de la maison. Alors, seulement le garde-centre sera enlevé ici sur le lancer.
C'est quand même une bonne façon de rater le lancer, au moins enlever le garde. On a enlevé une pierre. C'est sûr qu'on aurait aimé déplacer la situation qui est devant la maison. Mais passer à côté de tout n'est pas l'idéal non plus. Non. Donc, si Jean-Michel va tenter le placement sur les deux jambes, question de couper le bout de plus d'un point. Alors, aller se geler dans la petite pochette. Exactement. En fait, l'équipe de Félix Asselin a encore accès à un bout de deux points. Oui, le cercle de quatre pieds est complètement ouvert. Exactement. Par contre, on veut ici limiter les bouts de trois et plus, là. Pierre ici. Très bien fait. Jean-Michel Arsenault qui est complètement gelé sur la pierre jaune et coupe les deux points. On coupe les deux points jaunes. Donc ici, pour marquer le deuxième point pour Félix Asselin, il faudrait aller... On se devra de se rapprocher du quatre pieds pour marquer le deux points. Donc, on n'a plus vraiment jouer du côté de la maison. Félix ne semble pas d'accord avec toi. Ils veulent peut-être essayer de ramener les pierres jaunes en jeu, je ne le sais pas. En éliminant la pierre rouge, par contre, il va perdre quand même une de ces deux pierres. Contente ici, c'est de... On veut sortir la pierre jaune qui est derrière la pierre rouge du côté de la maison, se placer devant et avoir accès éventuellement dans le bout à ramener les pierres jaunes en jeu. Comme on dit, rendre la pierre rouge vulnérable. Exact. Il reste quand même pas beaucoup de pierres pour ramener tout ça en jeu. Réussi ici pour Martin Kreit. On a accès à la double sortie des jambes. On aurait préféré ici, sur le lancer de Martin Kreit, demeurer complètement devant la pierre rouge pour enlever cette double sortie. Là, puisque la jaune... légèrement basculé vers le centre, ça offre l'accès à la double sortie des jambes du côté de la maison. Oh! La pierre jaune qui ne sortira pas. Double sortie qui a failli virer au désastre. Toutefois, la jaune a roulé assez loin pour que la rouge devant la maison, dans le 8 pieds, marque le deuxième point. Mais malheureusement, pas assez roulé pour ne plus compter du tout par les deux pierres rouges de l'autre côté de la maison. Exact. Un entre-deux. Un entre-deux. Donc, on va tenter le placement du côté intérieur
aller se mettre un deuxième point. Oui. Ça prend un placement précis ici parce qu'on ne peut pas aller trop loin derrière la ligne de tee pour ne pas offrir le placement gelé à Félix sur son prochain lancer. Et si on reste devant la ligne de tee, il ne faut pas non plus donner une double sortie sur les jambes. Donc, Alors, on entend ici les applaudissements de la foule sur la glace B. L'équipe Desjardins, je crois, qui vient de marquer un gros 5 points. Pour mener 5 à 1 après 3 manches. Alors, le placement qui a manqué de courber, Jean-François? En fait, on a trop courbé du côté de Martin Crête. On a accroché notre propre pierre. Oh! Et on a roulé un peu ouvert. Donc, ça va offrir ici une petite sortie roulée avec un poids. Je ne sais pas si on va y aller d'un poids de fond de maison, hack. J'avais les yeux sur mon glace. On se demande pourquoi. Alors, belle opportunité ici pour Vincent Roberge. Oui, parce qu'après un début de boue qui était tout à l'avantage de Félix Asselin, soudainement ici, on pourrait, avec une belle pierre, se retrouver en position de peut-être voler le bout. De bloc de départ est appelé de la part des brosseurs. Alors, on n'a pas réussi à rouler vers l'intérieur comme il aurait voulu. Non. Donc, du côté de Félix, on va regarder à sortir cette pierre rouge, mais on devra ne pas rester en position de double sortie une fois le coup terminé. Donc, je crois qu'on va tenter de rouler vers les deux pierres rouges qui sont du côté droit de la maison. Est-ce qu'on va y aller d'une sortie en douceur ou avec une sortie en puissance? Je crois qu'on tente une sortie avec un poids normal. Question d'aller enlever les pierres rouges qui se trouvent du côté droit de la maison. Alors, ça ne sera pas le poids fusé. Non, ça sera pas le poids fusé. F-35. C'est Jean qui nous a amené un nouveau poids cette semaine. Le poids F-35. Qui a réussi, effectivement. Donc, alors, qui marque qui marque encore seulement un point, mais... Il y a beaucoup de jaunes en jeu. Il y a beaucoup de jaunes en jeu, mais est-ce que la pierre rouge dans le devant du cercle de 8 pieds, Jean-François, est vulnérable pour Félix? Pas pour l'instant. Parce qu'il ne reste qu'une seule pierre ensuite à Félix Asselin là, pour se débarrasser de cette pierre-là et faire marquer ses autres. Oui, donc là... À moins de positionner cette pierre-là qui va être lancée à un mauvais endroit, normalement, la pierre rouge qui est dans le 8 pieds ne devrait pas bouger de là d'ici la fin du coup. Donc, je pense qu'on va tenter le placement autour de la pierre rouge et jaune pour aller sur le bouton. Et ainsi essayer de voler le bout. Quand même une belle pierre. Partiellement cachée. Oh, je pense qu'on indique que c'est peut-être la jaune qui marque le point encore.
Est-ce qu'on vient de faciliter le 2 points pour Félix Asselin ici ou ça change rien? On aurait préféré demeurer devant la ligne de T ou de cacher un peu plus la pierre rouge. Alors, je crois que ça ne change rien. Ce sera le placement pour deux de toute façon. Donc, si la pierre, effectivement, si la pierre jaune marque déjà le point, on va tenter le placement du côté opposé. Donc, le 4 pieds est complètement ouvert de ce côté-là. Il doit presque aller chercher un morceau du bouton, je crois, pour marquer le deuxième point. C'est un placement près du bouton. Et qui semble trop curlé. Malheureusement, accroche à l'avant. Alors, ce ne sera qu'un seul point. Un point jaune pour l'équipe de Félix Asselin. Donc, le pointage après 3 bouts de 2-1 pour Félix Asselin. Donne le goût de boire. Alors, nous sommes de retour en direct du centre sportif Miscouc. Donc, début de 4e manche, Félix Asselin qui mène 2-1. Marteau à l'équipe Roberge. Alors, donc, on y va sans surprise avec un début autre... de avec une garde un autre bout. Commence par un garde de centre. On sait que l'équipe Asselin est quand même une équipe qui aime beaucoup attaquer. Tout à fait. Et comme on n'a pas une grosse avance, alors vraiment, on force le jeu ici. Du côté de Roberge, on y va ici en cette 4e manche avec un garde de coin. Tenter de générer un 2 points ici. On a vu que la situation tout à l'heure pour eux avait été compliquée au centre de la maison, donc peut-être qu'on tente ici de changer les choses un peu. C'est comprenable. Des fois, quand une recette ne marche pas, on en essaie une autre. Malgré que le dernier bout, ils s'en sont quand même très bien tirés. Oui, pour un début de bout qui était compliqué, on s'en est bien sorti. Donc, on a forcé l'équipe d'Asselin à seulement 1 point. Une situation qui aurait pu être un 2 ou un 3 points presque tout le bout. Ça a pris un placement payant du côté de Jesse Mullen. Alors, sans surprise, équipe Asselin qui réussit le contournement dans le cercle de 4 pieds. Donc, Julien qui va tenter de s'appuyer sur cette pierre jaune. Alors, je vais prendre un moment ici pour remercier nos commanditaires, Jean-François. Alors, évidemment, Ville d'Alma qui nous fournit le centre sportif Miscouc. Évidemment, Curling Québec, la Fédération québécoise de curling, qui organise ce championnat. Curling Saguenay, le comité hôte. Ensuite, le centre de villégiature d'Amantaire. Strata Gestion Stratégique, notre partenaire de webdiffusion. La microbrasserie River Bend,
notre partenaire pour la concession, et Lettrage GD pour toutes les impressions dans la glace et sur les bandes. Donc, merci à tous nos commanditaires. Donc, c'est à chaque fois très important pour le succès des événements qui sont organisés. On est très content de les avoir avec nous pour la promotion du curling. Et là, Jean-François, tu te demandes sûrement pourquoi je ris, mais il y a un de nos web spectateurs japonais de cet été qui est en ligne et qui nous regarde et qui vient de nous mettre « Hello, good curling ». Alors, présentement, il est 3-4 heures du matin au Japon. Je ne sais pas si je devrais dire « Ohayou gozaimasu ». Donc, on va tenter ici, pour le coup de Jesse Mullen, de tenter de sortir la pierre jaune qui est derrière la pierre rouge. On va rouler du côté droit de la maison. Donc, on va se positionner premier et troisième point. Pierre qui semble courber beaucoup. Oh! On passe tout près du garde. Mais ne l'a-t-il pas effleuré? Ben, peut-être. On a passé très près. Je crois qu'il l'a peut-être effleuré à peine. Je pensais qu'on y allait avec plus de puissance. Les pierres qui sont tous demeurées dans la maison. Quand même une belle pierre. Non, ça n'a pas touché. Je viens de revoir ici. Là. On vient de revoir à la reprise. Mais qui a passé plus près d'une feuille de papier. mais quand même une belle pierre ici, parce que les pierres sont demeurées au centre de la maison. La pierre jaune est vulnérable, complètement ouverte la de l'autre jaune côté. Est Alors, notre ami japonais qui a répondu « Good morning » ici. Donc ici, on a tenté de sortir la pierre rouge, mais il y avait danger, effectivement, que la pierre rouge bifurque sur la pierre jaune qui était dans le fond des cercles. Donc, c'est ce qui s'est produit ici. Donc, soudainement, le ratio pierre jaune-pierre rouge pourrait changer et redevenir à l'avantage de l'équipe de Vincent Roberge. Une belle situation ici pour l'équipe de Vincent Roberge. Alors, une très rare erreur d'équipe Asselin. En effet. Pour avoir suivi un peu cette semaine, ils n'ont pas raté beaucoup de pierres. Wow! Wow! Très bien. Donc, Alors, un excellent lancer ici. On se retrouvait appuyé sur la pierre jaune, qui marque toujours le point, peut-être? Je ne vois pas. C'est embêtant ici de savoir si c'est la rouge ou la jaune. Mais même s'il ne marquait pas le point, là. Alors je vais le voir même ici. Même si la rouge ne marque pas le point, c'est un excellent coup. Alors c'est la. C'est non, la je rouge. Ne vois pas non plus. C'est la rouge qui marque? C'est. Je ne pourrais dire. Ouais, je pense que c'est la rouge qui marque. Ah, voilà, un deuxième web spectateur japonais. Même les mêmes noms qu'on voyait cet été. Donc, on va tenter ici la sortie montée, enlever des pierres rouges, idéalement. Alors, ici, Martin Crête qui a raté sa glisse, mais quand même enlève le garde-centre. Enlève le garde-centre, mais ici, on aurait vraiment aimé accrocher la pierre qui était dans le devant des cercles, dans le devant du huit-pieds. C'est sûr qu'aller enlever une rouge en même temps aurait été l'idéal. Donc là, est-ce qu'on va... On regarde à faire le placement derrière le garde-coin. On pourrait aussi sortir la pierre jaune et marquer 4 points. Une situation qui serait difficile à protéger par la suite. Les pierres qui seraient presque tous vulnérables dans le centre de la maison.
sûrement une position de double ou de triple sortie. Exactement. Après le lancer. Donc, on a décidé d'y aller avec un placement du côté ouvert. On est patient du côté des balayeurs. Est-ce que ça semble pesant? Est-ce que ça... Ce sera à travers la maison, malheureusement. Pierre, qui fait mal ici pour l'équipe de Vincent Auberge. On avait une belle opportunité de se positionner une quatrième pierre dans les cercles. Donc, Martin Crête qui va exécuter la double sortie. Malheureusement, qui... Pierre qui ne court pas suffisamment. Comment on dit ça, un jam? On l'avait trouvé. Hein? Est-ce qu'on l'avait trouvé cet été? Alors, comme on dit en anglais, elle a fait né. Bon, on n'a pas encore trouvé la bonne expression en français pour... Donc, encore une opportunité ici d'avoir trois pierres rouges qui... dans les cercles. Pour répondre à notre web spectateur ici, les demi-finales, les finales vont être diffusées sur notre chaîne YouTube. La demi-finale demain matin et la finale à 15h demain après-midi. On regarde ici à sortir la pierre qui est dans le fond du quatre pieds. Même si on ne marquerait pas le deuxième point, on marquerait tout le moins le troisième point. Et on ne serait pas nécessairement en position de double sortie, donc on viendrait d'éliminer la pierre rouge qui est dans le 12 pieds présentement. On se doit ici de demeurer dans les cercles. Oui, on ne pas offrir le bout de 3 points. Oui, le rouler dehors ici serait vraiment une catastrophe là, pour Félix Asselin. Pierre qui a réussi, donc on a réussi à demeurer dans les cercles. Pierre qui marque le troisième point, meilleur que celle qui est devant la maison. Et qui a roulé assez loin pour éviter de donner une double sortie. Exactement. Alors, pendant ce temps, sur la glace B, alors magnifique lancer de Robert Desjardins. Alors, un frappé roulé d'un bout à l'autre de la maison. Donc, du côté de Vincent Auberge, ici, on va tenter de frapper cette pierre jaune, demeurer dans les cercles. Et si advenait une erreur de l'équipe de Félix Asselin, pourrait potentiellement marquer 3 points dans cette manche. Ça serait majeur contre les premières parties. Ça serait important. Et pour l'instant, le bout se dessine pour un potentiel 2 points. Alors, on ne peut pas rouler dehors. Reste quand même Pierre, mordeuse à la maison. Pierre qui semble demeurer dans les cercles.
Je crois que la pierre rouge marque le point. Donc ici, je pense qu'on va simplement placer une autre pierre jaune exactement au même endroit où elle était. Question de limiter l'équipe de Vincent Auberge à une sortie montée pour deux. Mais on sait que les sorties montées, ce n'est pas les sorties les plus faciles. Non, et on devra le faire avec un poids contrôlé pour garder la pierre rouge qu'on va monter sur le bouton, la garder au centre de la maison pour marquer les deux points. Donc, on veut ici se rendre à dépasser la ligne de T pour ne pas offrir de double sortie. On balaye fort ici. On veut la descendre le plus loin possible. Je ne sais pas si la... Je crois que la double sortie est possible. C'est ce qu'on regarde ici du côté de Vincent Auberge. Sortie qui pourrait être payante si. On a ce choix-là où. Je ne sais pas si c'est la rouge ou la jaune qui marque le point. Je crois que c'était la rouge, donc on pourrait essayer le placement pour deux. La double sortie serait quand même pour 4 points. Oui. C'est non négligeable. En fait, vu, étant donné que la rouge marque déjà le point, c'est pas une situation qui est très dangereuse parce que dans le pire des scénarios, on va quand même marquer le point et se retrouver à match égal après 4 manches. Par contre, si on réussit le coup, on vient de prendre un 4 points et un sérieux avantage dans ce match. Le coup vaut la peine d'être tenté. Puis c'est... Ah, je pense qu'ils vont y aller avec le placement. Peut-être qu'il y a un risque d'aller frapper sa propre rouge et ainsi se faire voler deux points. On va tenter le placement. Placement pour deux va quand même nous amener avec l'avantage d'un point après quatre manches. Qui a l'air trop fort. Alors, est-ce que ce sera bon pour deux points? On indique seulement un point ici, donc... Alors, une opportunité ratée ici. Donc, pointage de 2 à 2 après 4 manches. Thank you.
De retour à ce début de cinquième manche. Et devinez quoi? On est démarré avec un garde de centre. Oh, quelle surprise! Quelle surprise! Alors, match vraiment très serré ici. L'équipe Asselin contre l'équipe Roberge sur la glace B. Alors, l'équipe Desjardins mène 5 à 3 après 4 manches de jeu sur l'équipe Le Duc. Alors, encore une fois, le contournement dans le cercle placement de 4 gelé. Pieds. Cette fois-ci, on va, j'imagine, tenter de se rendre sur la pierre qui est dans la maison. Encore une fois, un peu à court, mais cette fois-ci, du côté de Félix, on tente. Hein. On y va avec le placement sur la pierre qui vient d'être lancée par Julien. Donc, on change d'idée ici, on fait le... On tente de dépasser la pierre qui est au centre de la maison. On se devait d'aller un peu plus bas pour ne pas donner de double sortie. Par contre, laisse l'opportunité à l'équipe adverse d'aller se geler dans la petite pochette créée là, par le rôle de la bière. Jessie Mullen qui avait fait une très belle pierre deux bouts plus tôt sur ce côté de piste. Aurait aimé courber un peu plus. C'est ce que j'allais dire, Pierre, qui a manqué un peu de courbure. Tu lis dans mes pensées, Jeff. Donc, on va ici tenter de repousser les pierres légèrement, basculer vers le centre. Très belle pierre ici de la part d'Émile Asselin. Balayage efficace qui a permis de garder la pierre droite. Oui, parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'accrocher la pierre qui était dans le cercle de 8 pieds. Donc, soudainement, on a 3 pierres jaunes. 2 pierres jaunes qui marquent. Et une pierre rouge vulnérable. Une pierre rouge vulnérable. Les angles sont présentement favorables pour l'équipe de Félix Asselin. On va tenter ici... sur le lancer de Jessie Mullen, d'ouvrir la maison, défaire les angles. Situation qui semble plus compliquée. Les joueurs s'approchent pour y regarder de plus près. Situation dangereuse ici pour l'équipe Roberge. Pourrait arriver ici avec une sortie au mauvais endroit pourrait compliquer les choses grandement. Alors, après nos web spectateurs japonais, nous avons aussi Jay Merchant qui nous regarde d'Australie. C'est fou comment le monde est petit avec Internet maintenant. Alors, un lancer très puissant de Jessie. Très belle pierre. On a réussi à défaire les angles.
et se positionner, Pierre qui marque sur le bouton. Alors, un lancer, un des lancers pour lequel Jesse est bien connu, lancer très puissant. Donc, malgré une très belle pierre, on a quand même ici l'opportunité de sortir la pierre rouge qui marque le point, basculer du côté gauche de la maison et on va se retrouver ici avec trois pierres jaunes qui marquent. Donc, du côté de Vincent-Auberge, situation encore difficile. Oui, c'est toujours dangereux de donner un bout multiple ici. Alors, malheureusement, la pierre d'Émile qui n'a pas assez courbé. Pierre qui est sortie des cercles, on offre ici une opportunité de double sortie. Oh, je crois qu'on va tenter simplement de le frapper roulé. On va se retrouver devant la pierre jaune. Alors, en commentaire, on a quelqu'un ici qui écrit que Jesse est très bon. Alors malheureusement, la pierre qui roule trop loin, hein, il voulait rouler seulement devant la pierre jaune. On voulait rouler devant, je ne sais pas si on appelait la double sortie ou non. Pierre qui a roulé complètement ouverte, qui est vulnérable. Donc, Félix, ça semblait indiquer de frapper, rouler vers le centre et même traverser la maison du côté droit. À moins que j'aie mal vu son indication. Félix qui fait beaucoup de mouvements avec sa brosse. Très belle pierre ici de Martin Crêpe. Alors, pendant ce temps, l'équipe Desjardins qui vient de marquer un autre 2 points mène 7-3 après 5 manches. La double sortie ici, étant donné la vitesse des glaces est disponible, donc même malgré le fait que les pierres jaunes semblent presque à égalité, la double sortie est réalisable. Et maintenant, avec la puissance des joueurs aussi. Il y a beaucoup de lancers qui ne se faisaient pas il y a quelques années qui est maintenant. Mais même si on ne faisait pas exactement la double sortie, on se retrouverait quand même sur le bouton caché derrière les gardes rouges. Ce serait une très bonne situation aussi pour l'équipe Auberge. Alors, lancer trop large ici, on va tout simplement frapper le nez de la bière. Et on va devoir encore une fois s'assurer de rouler pour ne pas donner de double sortie. Il va ici avec un poids contrôlé. Donc, on a encore notre situation de 2 points pour l'équipe de Félix Asselin. Alors, Martin Crête qui réussit son lancer. Il y a quand même une des deux pierres jaunes qui semble ouverte de l'autre côté, qui est accessible. Est-ce qu'on regarde à s'appuyer ici entre les deux pierres jaunes? Donc, c'est ce qu'on vient de discuter avec... Ainsi, rendre le 2 points de l'équipe adverse très difficile. Tout à fait. Donc là, ici, un placement gelant entre les deux pierres jaunes. La pierre rouge qui ne sera plus... On ne pourra plus la sortir des cercles.
Et le 2 points, puisque la pierre rouge sera près du bouton, le 2 points sera très difficile pour Félix Asselin. On voudra s'assurer ici de revenir vers le centre parce qu'une pierre qui demeurerait au large permettrait une sortie roulée vers le centre pour Félix Asselin et marquer 3 points sur le bouton. Situation qui est très critique. Et on doit faire aussi attention de ne pas taper les pierres jaunes. On doit vraiment s'appuyer sur ces pierres pour demeurer protégé. Pierre qui a basculé un petit peu vers le centre, je crois qu'ils sont... Probablement le deuxième point. Ils sont le deuxième point. Je pense qu'avec l'angle, juste le fait que la pierre rouge soit encore un peu appuyée sur la pierre jaune, leur permet de ne pas, être en mesure de sortir cette pierre rouge-là. Je ne crois pas que Félix peut sortir la pierre rouge. Donc, je pense qu'on va tenter simplement de repousser. Je sais pas, j'ai entendu bombe. Alors, il irait d'une sortie bumper légère. On a beaucoup de glace pour un bumper. Peut-être que mes oreilles m'ont joué un tour aussi. Félix est quand même à l'autre bout de la glace. Je pense qu'on va y aller simplement de repousser ces pierres-là légèrement, marquer le point avec la pierre qui est déjà sur le bouton, mais simplement dégager la situation pour être capable de la sortir sur le coup suivant. Alors, on parle de poids de fond du cercle de 8 pieds. On appelle le brossage pour faire courber la pierre. On aurait aimé courber un peu plus ici. Donc, on marque encore le point du côté de Félix Asselin, mais... Mais la pierre est vulnérable maintenant. Effectivement, la pierre jaune du côté droit est vulnérable. Puis, on offre aussi une espèce de pochette derrière le fond du quatre pieds. Donc, on pourrait juste décider de repousser la pierre jaune légèrement dans le fond du quatre pieds et demeurer devant. Il marquait le point. On a juste la double sortie des jaunes, celle qui est... Et la pierre lancée resterait sur le bouton. Et la pierre lancée resterait sur le bouton, exactement. On aurait une belle situation pour voler la manche ici pour Vincent Roberge. Une erreur qui pourrait coûter cher pour Félix. Ce ne sont pas des grosses erreurs, mais des erreurs qui peuvent faire très mal. On parle ici juste d'un léger manque de courbure sur la pierre, et puis tout à coup, ça change. Je partais pour dire le setup, mais c'est pas le mot français. La situation. Voilà, merci. Alors, bien réussi pour Vincent Roberge ici. Alors, qui marque 2 points. Alors, maintenant... Situation très complexe ici. On voudra assurément ne pas se faire voler 2 points. Je crois qu'on regarde à frapper la pierre jaune qui est ouverte, rouler vers le centre pour aller marquer le point derrière le bouton. J'aimerais quand même voir les statistiques de la semaine, savoir combien de bouts équipe Asselin s'est fait voler dans toute la semaine.
Il ne doit pas en avoir beaucoup. Ils doivent, non, ils ne vont pas être nombreux, ces bouts-là. Statisticien. Donc, on regarde ici un poids de normal, frappé, roulé vers le centre. Pierre importante ici. Donc Vincent Robert, j'ai réussi à mettre de la pression sur Félix Asselin. On va voir si il va y répondre. Courber la pierre ici. Oh, pierre réussie. Alors, ce sera une rouge. On indique une pierre rouge ici. Bien tenté. Un gros vol ici de la part de Vincent Robert. Un point important ici pour Vincent. Et Félix qui sera quand même content de ne pas donner deux points sur cette manche. Donc, pointage qui se retrouve maintenant de 3 à 2 pour l'équipe de Vincent Robert après 5 manches. Et nous allons maintenant à la pause du cinquième bout, qui sera un peu plus longue.
Alors, je m'excuse, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Nous sommes de retour pour la partie Q1, Q2 des championnats provinciaux Tankard Hardline. Véronique Bouchard en compagnie de Jean-François Charest. Bonjour. Pause bien méritée. Pause bien méritée. Alors, je vais en profiter, étant donné que les débuts debout se suivent et se ressemblent. Ah, non, pas cette fois. Je crois que la pierre touche peut-être au cercle. Oui, parce qu'on tente ici la sortie. Donc, malgré tout. On est allé trop profond ici, sur le premier lancer de Julien. Donc, on permet à l'équipe de Félix Asselin de profiter de la situation, de frapper cette pierre et demeurer devant les cercles, dans la zone de garde protégée. Alors, malgré tout, je vais en profiter pour remercier d'autres commanditaires partenaires de l'événement. Alors, le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean, le groupe Musicus, qui nous permet d'utiliser leurs chansons pour nos publicités, les députés régionaux, alors Mme André Laforêt, M. Éric Girard, M. François Tremblay et Mme Nancy Guillemette, ainsi que M. Richard Martel, député au fédéral, les caisses Desjardins, Duchesne Auto, Imagerie Expert, Autocar Janois et Planète Radio. Donc, encore une fois, merci à tous nos commanditaires. Donc, un début de bout un peu différent de ce qu'on a vu précédemment. Donc, marteau à l'équipe de Félix Asselin au bout pair cette fois-ci. Alors, bout différent qui a commencé par une rare erreur lors de Julien Tremblay, dont le garde est allé toucher la maison. Donc ici, on a essayé la sortie montée. Malheureusement, étant donné qu'on n'est pas demeuré exactement derrière, ça offre ici une sortie ouverte pour Jesse Mullen. Alors, qui roule qui vers l'extérieur. Donc on va ignorer cette pierre du côté de Félix Asselin. Oh non, et on va y aller avec un bout un peu plus défensif ici. Donc on frappe la pierre ouverte, on va tenter de rouler caché derrière le garde de coin. Coin... Semi-coin. Semi-coin. Presque centre. Un garde semi-coin. Alors vraiment un bout qu'on n'a pas été habitué de voir jusqu'à maintenant. Beaucoup, beaucoup plus défensif. Alors jusqu'à maintenant, on a vu énormément de pierres en jeu. Les deux équipes qui mesurent l'enjeu du résultat de la partie. Donc l'équipe gagnante de ce match aura accès à la grande finale. L'équipe perdante qui affrontera le gagnant de la partie entre Robert Desjardins et Alexandre Leduc. Mené par Robert Desjardins après 5 manches. Donc, on s'échange les sorties. Émile qui va tenter à nouveau de basculer vers le centre, derrière leur propre garde. Lancé qui est trop large, par contre. Alors... Pierre qui demeure très droite. Alors, Pierre qui va rouler vers l'extérieur encore. Mais demeure dans les cercles, toutefois. C'est important ici de demeurer dans les cercles pour ne pas offrir Alors, on y va à Vincent Berge le placement derrière la garde. On joue la sûreté. Oui, on s'enlève la pierre. S'enligner pour un bout défensif. Les deux équipes qui semblent à l'aise avec un bout nul. À l'aise avec un bout nul sur cette manche. Bien tenté ici de... Malheureusement, offre un frappé roulé beaucoup plus facile à l'équipe adverse. Toutefois, on est quand même près du garde. Devons faire attention de ne pas ricocher sur le garde en exécutant le lancer. Alors, on ne peut pas y aller ici d'une sortie pesante. On doit y aller avec moins de vélocité pour y aller avec la courbure.
Donc, Pierre qui ne courbera pas suffisamment. Alors, qui roule vers... Encore une... Je crois que c'était peut-être l'appel. C'est possible, parce que les pierres étaient quand même... Le roule vers le... Le roule vers le centre était difficile. Était difficile derrière le garde. Donc, on a appelé le brossage pour conserver la pierre ouverte dans les cercles. On aurait aimé rouler plus loin du garde. Oui, pour compliquer la sortie roulée. Là, la sortie roulée, par contre, elle est vraiment accessible pour Martin Crête. Ça a l'air facile à la télé parce qu'ils en font souvent des beaux frappés roulés, mais ce sont des pierres très difficiles. Très bien appelé ici. Wow. Un beau coup de Martin Crête. Excellente pierre ici. Pierre qui semble complètement cachée derrière le garde. Donc ici, on va y aller avec la sortie montée. Alors, idéalement, on aimerait sortir les deux pierres. Et non pas faire comme tantôt le néné. On va tenter d'éviter le néné. Et on veut aussi, idéalement, accrocher la pierre qui est dans les cercles pour ne pas offrir un placement dans la maison pour un deuxième point et séparer les deux pierres jaunes et rendre la double sortie impossible. Pierre importante ici pour Vincent Roberge. Manque la double sortie. Alors, tu enlèves seulement le garde. Donc, on va ici tenter le placement dans le côté de la maison, à la même hauteur, donc on, près de la ligne de T. Et ainsi, annuler la possibilité de double sortie. Qui devrait plus ou moins assurer un bout de deux points ici. L'équipe adverse qui se contentera de frapper la pierre ouverte. Une des deux pierres ouvertes. Donc, un beau frappé roulé ici de Martin Crête qui a quand même amené un potentiel d'un bout de deux points ici. Une manche qui était partie pour une manche nulle. Finalement, on retrouve ici avec une possibilité de deux points. On doit réussir le placement toutefois, par contre. Si on veut... Semble pesant. Les balayeurs qui... Regarde la pierre. Alors, trop pesant. Donc, on manque ici de l'opportunité. Alors, un bout de deux qui se transformera probablement en bout nul ici. Oh, belle opportunité ratée ici. Alors, on ne sait pas si c'est le stress de l'importance de cette partie, plus d'erreurs de l'équipe à 5 qu'on l'a vu faire cette semaine. On sait qu'au sixième bout, la glace est un peu plus rapide. Peut-être qu'ici, on n'a pas compensé sur ce lancer. Le fameux effet mouton. Donc, on s'est fait piéger, malheureusement. J'aurais bien aimé marquer deux à ce bout, mais ici. On aura quand même accès à dans le coin du un bout nul sans trop de difficultés ici, avec une pierre ouverte. Alors, on se retrouve avec la situation de départ. Oui, finalement. Après fallait tout ça. Il fallait juste fermer les yeux pendant deux pierres. Après tout ça.
Et voilà, on appelle le clean. Et ça sera fait, donc, bout nul à cette sixième manche, donc pointage qui demeure 3-2 pour l'équipe de Vincent Roberge. On vous revient après la pause. De retour à cette septième manche. Donc, on démarre le bout avec un garde-centre pour faire changement. Mais comme le pointage est toujours serré, les deux équipes vont tenter de contrôler le centre de la maison. Pierre qui semble courber rapidement. Pierre qui passe. Alors, sans surprise, un autre placement aux quatre pieds de réussi. À date, il n'y a pas beaucoup d'erreurs de la part des premiers. Les premiers jouent une bonne partie. On a Julien qui a fait une petite erreur au bout précédent, qui a amené le bout nul. Mais qui était quand même à l'avantage de son équipe. Qui reprend le contrôle des bouts. Advenant qu'équipe à Saint-Marc se boussit. Faut pas vendre l'ours avant de... Encore trop d'affaires qui vont se passer avant que tout ça se produise, donc. On vendra pas la peau de l'ours. Mais il y avait une autre expression modifiée, ça. C'était pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh. Donc, on suit à nouveau avec un placement gelé au centre. Est-ce qu'on va vouloir... repousser légèrement la rouge pour déplacer l'angle, pour rendre la rouge un peu vulnérable pour une sortie éventuelle. Pierre, il ne semble pas courber suffisamment. Malheureusement, cette pierre ne fait pas le travail. Donc, du côté de Jesse Mullen, on va tenter la sortie roulée vers le centre. Qui mettrait l'équipe Roberge dans une très bonne situation. Notre pierre de Jesse, on a roulé au moins demi-pierre cachée derrière le garde. On appelle ici la sortie montée. On va essayer de frapper les rouges qui sont dans le centre de la maison. On frappe les pierres rouges, mais malheureusement... La situation reste à peu près la le même. Le contact fait que la pierre rouge montée et demeurée dans les sacs. On ne joue pas de chance sur ce lancer avec puissance. Et peut-être donner des angles favorables pour envoyer la rouge qui est près du cercle de quatre pieds directement sur la jaune. C'est dur à voir d'ici. L'angle, effectivement, semble peut-être toucher la jaune. Plus facilement qu'avant le lancer, du moins. Donc, on tente ici le placement gelé sur la pierre jaune. Un
Un beau placement encore de Jessie Mullen. Wow. Donc, je crois qu'on va y aller avec un coin puissance. On peut être en mesure d'au moins sortir deux pierres rouges sur ce lancer. Oh oui! Oh, ouais, non, quelle belle pierre! Triple sortie. Pierre des Bélorets aurait probablement aimé, avec juste un peu plus de puissance, sortir toutes les pierres rouges, mais quand même, la situation qui est nettement mieux pour l'équipe de Félix Asselin. Donc, Pierre Jaune qui marque quand même Pierre Jaune qui marque le point. Deux points, effectivement. On a encore accès à... On a accès, je crois, à la double sortie au centre. Je crois que oui. Je pense que c'est ce qu'on appelle ici. Donc, Jean-Michel va l'essayer, mais avec une sortie contrôlée. Je crois qu'on a appelé le poussin arrière, bumper. Ça semble un peu plus puissant. Pierre qui va passer très serré sur la garde. Oh, wow! Effectivement, on a courbé un peu trop. Donc, effectivement, la double sortie était vraiment accessible. On a manqué de peu ici. Donc, la pierre rouge, malheureusement, qui a roulé partiellement cachée derrière le garde. Ce qui offre un garde supplémentaire pour Félix Asselin. Donc, on va tenter le placement gelé sur notre propre pierre jaune au centre. Lancer qui a l'air un peu trop large. Pierre qui s'est mise à courber. Lancer qui semble très bien réussi. Les balayeurs ont été très patients sur ce lancer. La pierre qui semblait large et on a attendu qu'elle commence sa courbure avant d'appeler le brossage. Pierre qui s'est retrouvé complètement caché dans le quatre pieds. Donc, très bien réussi pour Martin Crête. Donc, comme je le disais tout à l'heure, là, présentement, la pierre rouge qui a roulé partiellement cachée derrière la garde et n'offre plus de possibilité de sortie montée. Donc, est-ce qu'on va tenter ici la sortie montée par le garde? Garde jaune sur rouge. Alors, jaune-rouge, jaune-jaune. Jaune-rouge, jaune-jaune. Voilà l'appel. Alors, on va y aller ici. Malheureusement, la pierre rouge de peu. Manque de peu. Pierre rouge qui demeure devant les pierres jaunes, qui sert la cause de Félix Asselin. On va probablement retenter de replacer le garde au même endroit. Oh, ils vont décider de frapper une des pierres rouges. On frappe une pierre rouge ici. C'est sûr que présentement, la double sortie des jaunes est possible. Si on roule... et qu'on marque le troisième point. Malgré la double sortie des jaunes, on manquerait toujours le point. Alors, belle pierre ici. Donne peut-être l'opportunité de venir se geler. Entre les deux pierres. On donne la sortie montée. Et je me demande s'il n'y a pas même la triple sortie des jaunes.
Il semble beaucoup plus facile par la sortie montée. Et la rouge qui va demeurer potentiellement dans le quatre-pieds une fois le tir exécuté. Sortie qui devrait avoir quand même beaucoup de vélocité. Donc, première pierre de Vincent Roberge. Pierre qui semble large. On a accroché une pierre jaune toutefois, mais... Mais la situation n'est toujours pas idéale pour l'équipe Roberge, qui laisse deux pierres dans le cercle du quatre-pieds. Cette fois-ci, Félix devra mettre son placement dans la maison, ne devra pas faire l'erreur du bout précédent. Sinon, on pourrait passer à côté d'un autre bout de deux ou trois points. Tenter de positionner cette pierre jaune-là dans un endroit où il n'y aurait pas de triple sortie. Donc, on demande au brasseur d'amener cette pierre sur le T-line, la ligne de T. Placement réussi ici pour Félix Asselin. Donc, on a accès ici à des doubles sorties. Mais il n'y aura pas de triple sortie. Donc, réussi pour Félix sur ce lancer. Donc, Vincent doit réussir la double sortie. Pour limiter à deux points. Qui est quand même. Match qui est encore très serré. Alors qu'il serait aller le d'un côté de l'autre. Ça serait le premier bout de deux points dans cette manche. Vincent qui a eu la chance au quatrième bout d'un placement pour deux, qui était un peu trop pesant. Et Félix au dernier bout qui a aussi raté son bout de deux points par un placement à travers la maison. Alors, deux opportunités ratées pour les équipes. Double sortie réussie. Alors, tu laisses un placement pour deux. Donc, très bien fait du côté de Félix. Donc, pas Félix, mais Vincent Roberge. Alors, donc, Félix, qui vient de lancer le placement, va reprendre la même ligne que son placement précédent. Donc, on connaît la vitesse. Exactement. On y va avec les valeurs sûres. Voilà, placement réussi pour Félix Asselin. Premier bout de deux points dans cette partie très serrée. Donc, pointage de 4 à 3 pour Félix Asselin à cette fin de septième manche. Nous vous revenons après la pause. We'll be right back.
Alors, nous sommes de retour pour ce match Q1, Q2 des championnats provinciaux Tankard Hardline. Donc, avec l'avantage d'un point, Félix qui a demandé à Jean-François Trépanier d'effectuer un placement dans la maison sur son premier lancer, suivi d'un garde-coin du côté de Julien. Et on va revenir ici protéger la pierre qui est au centre de la maison. Tu vois, Jean-François, moi, j'aime bien la façon que Brad Bouchou a de générer son deux points. Alors, quand l'adversaire met sa pierre dans la maison, il la frappe. Et ensuite, va mettre son garde-coin sur la deuxième pierre. Plutôt que de se retrouver tout de suite avec une situation dangereuse d'avoir deux pierres adverses dans la maison plus un garde-centre. Oui, bien, si le pointage est serré, effectivement, ça peut être une bonne façon de faire les choses. Ça enlève, en fait, une garde protégée. Mais en même temps, la pierre présentement de Félix Asselin dans Mordeuse 4 pieds. Donc, offre quand même à l'équipe de Vincent Auberge la presque totalité du quatre-pieds pour marquer le point en fin de bout. Malgré qu'ici, on aimerait vraiment aller chercher un bout multiple, parce qu'on sait que lorsqu'on met... Et même après 8 bouts, c'est quoi, c'est 60% des chances? Je connais pas les statistiques officielles, là, mais ils sont à l'avantage de l'équipe qui mène après 8 bouts. Donc, on va suivre ici avec un placement gelé sur notre propre pierre. C'est très bien fait. Donc, c'est la pierre d'Émile ici. Les pierres jaunes qui ont pris le contrôle du centre de la maison. C'est la situation que je décrivais. Que... Bon, c'est sûr qu'avec un deuxième comme Jesse qui a un lancé très puissant, il est capable d'aller faire un peu de ménage. Mais il reste quand même qu'on a du travail à faire ensuite pour aller marquer son point. Là. On a évité ici un danger. La catastrophe, tu veux dire? On a seulement enlevé le garde-centre. On aurait aimé accrocher les pierres jaunes au centre de la maison. On aura l'occasion de se reprendre sur le prochain lancer. Comme on dit, c'est pour ça qu'on en lance deux. Donc, Émile qui va repositionner le garde-centre au même endroit où il était précédemment. Donc, Pierre... parfaitement exécuté. Donc, Jesse qui aura une deuxième chance d'effectuer la sortie montée. Là, ça doit vraiment d'aller pincer une pierre dans la maison. Oh! La manque de justesse. Si près. On a passé sur un côté et sur l'autre avec les deux lancés. L'avantage de ce côté-là, il n'y avait pas de risque d'envoyer le garde sur la pierre qui est derrière le garde-coin. En effet. Donc, pour Martin Craig, si on remet le garde-centre devant nos pierres qui marquent le point. Ça semble indiquer que la pierre est large pour l'instant. On demande au balayeur d'être patient. Qui est revenu suffisamment. Bon lancer. On est près de la maison toutefois. On aurait préféré rester un peu plus haut. Qui facilite la sortie montée. Exact. Ça facilite la sortie montée. Donc on a une opportunité ici pour Jean-Michel. On doit en profiter.
qui demeure au large. Alors, l'équipe Asselin qui replacera tout simplement le garde encore une fois. On va essayer d'être plus loin de la maison. Comme cette indiqué fois. Par Félix, on veut on va être un peu plus haut cette fois-ci. Alors, j'en profite pour remercier nos commanditaires majeurs. Ville d'Allemand, Curling Québec, Curling Saguenay, le complexe touristique d'Amantaire, Strata Gestion Stratégique, la microbrasserie Riverbend et l'étrage GD. Merci à tous de votre soutien dans cette aventure. Donc, Pierre qui est... Oh, qui courbe trop. Qui courbe très rapidement. Je ne sais pas si on a frappé un débris. Oh, quelle malchance ici. Donc, effectivement, c'est pas le genre de choses qu'on aime voir en tant que joueur. Ça offre une grosse opportunité ici, l'équipe de Vincent Roberge. Frapper roulé, avoir deux pierres cachées et faire même la double sortie potentielle sur ce lancer. Et même si on n'effectuait pas la double sortie, simplement de rouler derrière, on aurait deux pierres rouges cachées derrière les gardes, simplement une jaune complètement ouverte dans les cercles. Pierre qui a courbé un peu trop. On voulait frapper de l'autre côté et rouler derrière le garde de coin. On regarde ici à frapper la pierre rouge, rouler derrière les gardes de coin. On pourrait terminer le roule en s'appuyant sur la pierre rouge qui est déjà derrière les gardes. Il faut absolument rouler sur ce lancer parce que si on frapperait la pierre directement sur le nez ici, on offrirait une double sortie facile pour Vincent Roberge. Pierre qui va rouler. Excellent. Et Pierre Jaune qui marque deux points. Donc, Vincent Roberge qui va suivre avec le même genre de lancer. Donc, la Pierre Jaune qui est au centre qui est complètement ouverte. Donc, on peut effectuer le frapper roulé derrière les gardes de coin. Et derrière la Pierre Jaune. Et derrière la Pierre Jaune qu'on vient de rouler ici pour Félix Asselin. Pendant ce temps, sur la glace B, Robert Desjardins mène 8-4 sur Alexandre Leduc et est en bonne position de forcer l'équipe adverse à un seul point ici. Alors, on sait que le gagnant du match... Desjardins-Leduc jouera contre le perdant du match à Saint-Roberge. Alors ici, on y va d'une sortie légère. Vincent Roberge qui est lancé semble mais large pour l'instant. Il manque encore de courbure. On a frappé le nez. Démontré. Là. Alors une sortie... par choc arrière, je crois. L'important ici serait de marquer deux points pour l'équipe de Félix Asselin et ne pas d'offrir de situation de double sortie. Mais je ne crois pas que... Je ne crois pas qu'avec... un frappé roulé, que ce soit derrière les gardes de coin ou vers la droite, complètement ouvert, il y aurait nécessairement de double sortie. La double sortie serait vraiment difficile.
Ben, à tout le moins, si c'était du côté des gardes-coins, ça prendrait une sortie-montée, double sortie. Tu ne serais peut-être même pas tenté par Vincent Roberge. Oui, un petit lancé passé. Hein? Oui. Donc, j'ai pas vu si on a appelé le frappé roulé du côté ouvert ou caché. Mais tout le monde va sortir la rouge. C'est sûr qu'il ne peut pas laisser cette rouge-là. Probablement en position de split pour deux. Définitivement. Split, on dit ça comment en français? Je crois que Guillemin utilise le terme écartèlement, mais je ne sais pas. C'est possible, c'est possible. Alors, avec un petit roule. Est-ce qu'il y a la double sortie? Où est-ce que Vincent Roberge tentera le placement autour de tout ça? Le placement n'est pas tellement difficile. Les pierres étant dans le cercle de 12 pieds, avec la courbure qu'il y a, le contournement est quand même très, très réalisable. Je crois qu'il va opter pour le contournement. Ce sont des coups de routine pour les joueurs de leur expérience. Donc, le placement dans le cercle de 8 pieds pour un. On a regardé ici s'il y avait la double sortie. Donc, placement pour un. Donc, travail accompli pour Félix Asselin qui force Vincent Roberge à un seul point dans cette huitième manche. Ah oui, c'est la dernière pierre. Dans ma tête, il en restait une. Alors, Pierre, qui doit rester dans le cercle de 8 pieds pour marquer le point. Martin qui tente de balayer la pierre, mais... Placement réussi. Alors, pointage égal après 8. Donc, pointage de 4 à 4 après 8 bouts. Donc, on vous revient après la pause. Alors, nous sommes de retour pour cette neuvième manche. Alors, pointage égal 4 à 4. Marteau qui appartient à l'équipe de Félix Asselin. Alors, c'est l'équipe Roberge qui veut vraiment forcer l'équipe Asselin à prendre son point. Oui, on veut ici, effectivement, pour l'équipe de Roberge, forcer un point et avoir l'avantage de dernière pierre au dernier bout pour tenter de marquer deux points. Du côté de Félix Asselin, on va tenter d'éliminer ce bout et conserver l'avantage de dernière pierre pour le dernier bout.
sûr qu'équipe Asselin ici aimerait beaucoup avoir un bout nul. Exactement. Mais on voit mais il va y avoir des pierres en jeu. Donc, oui. Toujours difficile d'effectuer des bouts nuls lorsque l'autre équipe met des pierres en jeu. Alors, l'équipe Roberge qui met le double garde-centre justement pour éviter le bout nul. Exactement. Bon, il peut toujours y avoir un bout nul. on a déjà vu ça. Mais ça diminue les probabilités. Donc, effectivement, on a vu que les deux premières pierres de Julien ont été des garde-centre. Et Jean-François, lui, qui positionne ses deux pierres parfaitement dans la maison. Dans le cercle de quatre pieds. Alors, vraiment pas beaucoup d'erreurs de la part de Jean-François Trépanier. Non, les deux équipes qui jouent quand même relativement bien. On a eu quelques erreurs ici et là. Match qui est amplement disputé. Comme on dit, équipe Roberge qui semble avoir trouvé son mojo. Si on compare au match qu'ils ont joué précédemment contre l'équipe Asselin dans ce tournoi. Bon, il fallait que je dise ça pour avoir une pierre ici ratée de la part de Jesse Mullen qui. Qui ne court pas suffisamment. On a quand même déplacé la situation des pierres jaunes au centre. Par contre, on n'a réussi pas à conserver la pierre rouge dans les cercles. Pas idéal comme lancé ici. Donc pour Emile, on va tenter de repositionner une pierre jaune. On va tenter de regrouper toutes les pierres jaunes dans le cercle de quatre pieds, derrière les deux gardes rouges. Oh! On indique ici qu'on est... peut-être un peu fort. Un peu fort. Alors, Pierre qui va aller taper la pierre. Alors, on va promouvoir la pierre. Somme toute pas un mauvais résultat, je crois. Pas si mauvais. On aurait préféré courber un peu plus pour cacher la pierre qui est lancée derrière les gardes. On appelle la courbure. Une très belle pierre ici. On a juste simplement tenté de repousser la pierre jaune qui était dans le cercle de 8 pieds, pour l'amener derrière le cercle de 4 pieds. Et là, on se retrouve avec une situation où on a une pierre rouge qui est devant la ligne de T, qui devient assez difficile à sortir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pierres jaunes qui bloquent derrière. Donc, on va ouvrir ici les gardes de centre. On fait la double sortie des gardes de centre. Bien fait. Donc, Vincent Roberge qui appelle le garde ici, garde de centre. C'est bien réussi. Donc, on va tenter ici, sur le lancer de Martin Craig, de simplement dégager le garde qu'on vient de positionner. L'équipe d'Asselin qui marque quand même déjà les points. Vincent Roberge voudra éventuellement promouvoir sa pierre rouge sur le bouton. Mais on ne veut pas le faire trop tôt pour ne pas offrir de double sortie.
on repositionne à nouveau le garde centre. C'est bien fait. Donc Martin Craig qui s'approche pour venir voir la situation dans la maison. Félix semblait appeler le placement sur le bouton derrière la garde-centre. Et c'est éviter que Vincent Roberge puisse promouvoir sa pierre rouge. Exactement. Avec une pierre bien placée, ça laisserait presque seulement la sortie montée pour Vincent. Donc, c'est ce qui a été décidé. Donc, on s'en vient vraiment sur le bouton, appuyer sur notre propre pierre. Placement réussi ici de la part de Martin Craig, mais l'équipe Asselin en très bonne position de marquer son 2 points. On balaye vigoureusement. Pierre qui va passer très près de la garde de centre. Alors, on accroche ici. Donc, on était un peu léger sur le placement. Oui, la pierre ne se serait pas rendue à l'endroit désiré, même si. Même si elle n'avait pas accroché le garde-centre. Donc, du côté de Vincent, on va y aller avec la fête extérieure. On va tenter, je crois, de frapper rouler cette pierre jaune vers le centre. À tout le moins marquer le deuxième point. Opportunité ici ratée pour Martin Crête. Avec un poids de bloc de départ. On tente de faire curler la pierre. Alors, je crois qu'on marque le deuxième point. Ce qui était l'objectif sur ce coup, enlever une pierre jaune. On aurait aimé rouler un peu plus, justement pour enlever la sortie à Félix. Mais Félix devra être prudent parce que s'il devait frapper cette pierre un peu large, redirigerait la pierre rouge directement sur sa propre pierre sur le bouton. Donc, doit faire attention sur ce lancer. Travailler là pour l'autre équipe. Oui. Mais un beau coup ici de Félix le mettrait en excellente position sur cette fin de neuvième bout. Le brossage. On tente de faire curler encore. Pierre qui va. Alors, donc, la situation qu'on voulait éviter pour Félix Asselin.
Donc, on a envoyé la pierre rouge directement sur le bouton. Alors, temps mort demandé par équipe Roberge. Donc, soudainement, cette manche change de côté. On se retrouve avec une possibilité de vol pour l'équipe de Roberge. Alors, deux lancers ratés de suite de la part d'équipe Asselin. On n'a pas vu ça souvent. On n'a pas vu ça souvent. Et ça fait des dommages. On est en fin de match. C'est sûr qu'ici, pour l'instant, Roberge marque seulement un point. Mais voudra certainement compliquer de beaucoup le dernier lancer de Félix. Donc, on regarde au placement sur le bouton du côté extérieur. L'entraîneur d'équipe Roberge, Éric Sylvain, qu'on a vu souvent au Brailleur, qui jouait deuxième avec Jean-Michel Ménard, quelqu'un qui connaît très, très, très bien le curling. Beaucoup d'expérience. Donc, il est venu prodiguer les conseils à la jeune équipe. Donc, placement au bouton. On s'appuie sur notre propre pierre. On va bloquer l'accès complètement du côté extérieur. Alors, on appelle le brossage. Placement réussi. Alors, placement encore très bien une réussi. Fois, Félix Asselin qui se retrouve. Donc la décision avec ici. Avec deux pierres adverses. La décision ici pourra peut-être se faire voler un. On pourrait tenter de suivre la pierre qui vient d'être lancée avec un poids de fond maison. Et se faire voler simplement un point. Se retrouver en déficit d'un point pour la dernière manche, mais avec la dernière pierre. Est-ce qu'il pourrait tenter la sortie montée par le garde qui est à droite de la ligne de centre? La sortie montée du côté droit n'est pas évidente. Ah, non, excuse, mais là, je viens de voir Martin qui s'est tassé. Là, il y a l'autre pierre rouge qui est dans le chemin. Ce n'est pas évident. C'est jaune sur rouge sur double rouge. Non, c'est impossible, mais... coup qui est extrêmement difficile. Non, c'est ça, je viens de voir là, quand Martin s'est tassé, il y avait le pierre. Je retire mon commentaire. Donc, c'est ce que Martin semble indiquer. Sorti légère du côté extérieur, on se ferait voler simplement un point. Rare erreur de Desjardins ici qui vient de se faire voler trois points
Équipe Leduc qui égalise le pointage. Sortie ouverte. Après 9. Sortie ouverte ratée ici, qui coûte cher pour Robert dans cette 9e manche. Donc, match qui revient à égalité, 8-8. 8-8, équipe Desjardins qui aura le marteau au dernier bout. Tout ça à la faveur des spectateurs ici qui en sont sur le bout de siège. Alors, Félix Asselin qui lance sa dernière pierre, qui fait face à deux pierres adverses dans le cercle du quatre pieds. C'est très bien réussi. Lancé réussi, concède le vol. Vu la circonstance, je suis certain qu'il va être heureux du résultat. Donc, un vol dans un pour l'équipe de Roberge. 5-4, Roberge, après 9 manches. Donc, on vous revient pour le 10e bout après la pause. Nous sommes de retour pour cette 10e manche. Manche finale d'un match très serré entre les deux équipes de Félix Asselin et Vincent Roberge. On dit manche finale. Il peut toujours y avoir des supplémentaires. Hein? Il peut toujours y avoir des supplémentaires. Tout à fait, tout à fait. Donc, marteau qui appartient à l'équipe de Félix Asselin. Donc, va tenter de marquer deux points dans cette manche, dans cette dixième manche. Alors, on a ici le classique garde-point pour tenter d'avoir un bout multiple. Donc, balayage qui est appelé pour faire courber la pierre suffisamment pour cacher la pierre rouge qui est au centre de la maison. Ne cache pas tout à fait complètement cette pierre. On cache à peu près une demi. Donc, on va venir s'appuyer dessus. Semble indiquer que c'est pesant légèrement. Oh, excellente pierre, complètement cachée. On aurait peut-être préféré être un peu plus au centre de cette pierre rouge, mais pierre qui est complètement cachée derrière la garde centre. Jesse Mullen va tenter de suivre. Elle aimerait probablement rester un peu en angle dessus, donner une opportunité de... Oui, on veut avoir un angle sur la pierre jaune pour donner accès à une sortie plus tard dans la manche. C'est bien fait. Donc, on regarde à frapper avec un poids de bloc de départ, la pierre jaune, qu'on voit à peine derrière le garde-centre.
et basculer la pierre lancée du côté gauche derrière la garde de coin. Petit côté déséquilibre. Droit pour le skip. Ici, de la part d'Émile. Oh, Pierre qui court rapidement. Je ne sais pas si le déséquilibre qu'Émile a eu en sortant du bloc de départ peut être la cause. On a accroché ici le garde-centre. Donc, on va tenter ici de remettre le garde essentiellement au même endroit qu'il était précédemment. On a indiqué du côté de Vincent Roberge qu'on voulait protéger la pierre jaune pour éviter le coup qu'on vient de voir d'Émile Asselin. Belle pierre de Jesse. On a encore accès un peu à la jaune. Un peu le même genre de lancer qu'Émile vient de tenter. À peu près la même chose. Je dirais que je suis directement derrière le garde et il voit la pierre. Ça se ressemble. À peu près un quart, un cinquième de roche. Peut-être un peu plus là, dans le bloc de départ. Lancé réussi de la part des Ménassins qui va reculer la pierre rouge qui marquait le point. Donc, on a repris le lancer qu'on avait manqué précédemment. Ouais. On dit souvent ça a l'air simple de mettre un garde, mais mettre un garde dans la bonne place, c'est vraiment difficile. Un peu trop de courbure et on laisse l'opportunité là, à l'équipe adverse. Ça offre quand même le coup ici à Jean-Michel Arsenault. Même chose. Le même genre de coup qu'Émile Asselin. On frappe la jaune qui est au centre de la maison et on bascule sur la jaune qui est derrière la garde de coin. Pierre qui semble bonne. Je ne sais pas pourquoi, mais ce coup semble facile. Finalement, ce coup semble facile. Je ne vois pas lequel Pierre marque. C'est serré entre la jaune et la rouge. Pas certain de laquelle marque le point. Félix qui demande le placement à Martin Crête, placement derrière les gardes-centres. Placement qui ne court pas beaucoup. Non, ça Pierre reste très large. Pierre qui, pour l'instant, reste complètement ouverte. On a eu un peu de courbure à la fin, mais... Pierre qui est quand même très accessible. Pierre qui ne s'est pas caché. On appelle un placement gelé ici. Donc, on pourrait marquer assurément le deuxième point. Peut-être même marquer le point après se lancer. Lancer qui reste droit aussi. Ça semble être une portion de la glace qui... Une portion de la glace qui montre des signes de courbure, mais à la toute fin. Oui, ça prend vraiment du temps avant que la pierre...
prenne sa courbure. Donc, on appelle ici une sortie, vraiment mince sur la pierre rouge, simplement déplacer cette pierre rouge sans toucher la pierre jaune qui est derrière. Donc, il faut frapper très, très mince sur cette pierre-là. Alors, ce sera un lancer avec beaucoup de vélocité. Voilà. Pierre qui est Pierre très réussi. Bien réussi. Excellente pierre de Martin Crête. Donc, on change de côté cette fois-ci. Ah, on regarde, on revient sur la décision. On retourne sur le placement jalé sur la pierre jaune qui est ouverte. De Vincent Roberge qui reste 1 minute 47 secondes pour terminer le match. Ça devrait être suffisant pour deux pierres. Pas suffisamment de temps. Il reste sûrement un temps mort. Un temps d'arrêt également. Encore une fois, la pierre qui tarde à courber. On est patient sur la ligne. On repousse la pierre jaune quelque peu. Ça va faire un peu plus de place pour la sortie. Donc, sortie pesante, on essaie d'enlever la pierre rouge. Même genre de lancer que Martin Crête vient d'effectuer. Un peu plus de marge de manœuvre cette fois-ci. On tentait d'aller chercher la pierre sur le X, un coup de Félix Asselin. Très beau lancer. Wow. Qui se débarrasse de sa propre pierre qui servait d'appui à l'équipe adverse. La situation est vraiment bien pour lui parce qu'il est demeuré devant la ligne de T. Et maintenant, pour Vincent Robert, ce sera très difficile de marquer le point. Et de ne pas offrir de coup à Félix Asselin pour deux. Si la pierre jaune marque du côté gauche de la maison, ce que je ne sais pas. Mais je crois bien que oui. Ce sera quand même difficile pour l'équipe Roberge de ne pas laisser un placement aux quatre pieds pour deux. Il ne reste pas beaucoup d'options pour Vincent Roberge ici. On pourrait... On regarde la sortie montée. On pourrait tenter le placement directement sur le bouton, mais ça offrirait ici une petite sortie montée à Félix Asselin. Et si la pierre demeure ouverte, bien, ça pourrait être une sortie ouverte pour Félix pour deux. Pas beaucoup d'options ici.
Non, parce que même le contournement, Félix aura toujours l'option de la sortie montée par sa par jaune. Par sa jaune, exactement. Et si on ne cache pas le placement, on va avoir une sortie ouverte pour Félix. Tu sais qu'on regarde pour la sortie montée rouge sur jaune. Et la pierre rouge pourrait aller, la pierre rouge qu'on monte dans la maison pourrait aller ricocher sur la pierre rouge qui est du côté gauche complètement. C'est ce qu'on va tenter. Donc c'est rouge, jaune. La pierre rouge qui est, là, qui est frappée au centre de la maison va ricocher sur celle qui est dans le 8 pieds. Et ricocher vers les pierres du côté gauche. Ça fait beaucoup de ricochets. On pourrait ainsi sortir les deux pierres jaunes et forcer Félix Asselin à seulement un point. Coup extrêmement difficile. Ah non, je ne sais pas ce qu'on tente. On tente le placement. On tente de sortir. Mais avec moins de vélocité. Avec moins de vélocité. Pierre qui est demeuré caché. Wow! Quelle pierre de Vincent Roberge! Yeah. Je pense qu'au passage, on a même touché la pierre rouge sur la pierre jaune du côté gauche. Oui, et on pourrait marquer deux points. Excellente pierre. Je pensais qu'on y allait avec plus de vélocité, mais c'est une pierre parfaite ici. Force Félix à un placement dans le quatre pieds pour égaliser la marque. Oui, je crois qu'on marque deux points. Si je, pour que Probert, je sais si je vois bien ce qu'il y a sur mon écran. Pas évident d'où on est pour... voir le tout. On a besoin ici d'un 4 pieds pour forcer la manche supplémentaire. Alors, les brosseurs qui sont à fond de train depuis que Félix a lâché la pierre. Ce sera suffisant. Alors, ce sera un vol. Vol d'un point. Donc, suite à un excellent coup, Vincent Robert, sur sa dernière pierre. Alors, équipe Asselin, match. Équipe Asselin qui avait été parfait presque toute la semaine. Donc, Vincent Robert en grande finale. Félix Asselin attend le gagnant du match entre Robert Desjardins et Alexandre Leduc. Match qui est toujours en cours présentement. On en est à la dernière pierre. La dernière pierre, Robert Desjardins qui doit faire le placement sur le bouton pour accéder à la demi-finale. Donc, bouton qui est complètement accessible. Donc, il y a présentement des pierres qui sont derrière le bouton. Donc, on regarde à faire un placement pour aller s'appuyer sur les pierres qui sont déjà sur le bouton. Donc, pierre qui est lancée présentement. Balayeurs qui sont patients. Alors, c'est trop large.
Alors, Robert Desjardins qui réussit son placement de justesse. Passé tout près d'accrocher la garde de coin. Une extrémité à la fin. Qui ira en demi-finale contre équipe Asselin demain matin. Alors, revenez-nous ce soir pour la grande finale des femmes à 18h.